Cette cause, donc il y a quatre causes concernant les équipes concernées qui jouent aujourd'hui, à savoir le Stade Rennais pour l'hôpital Pontchaillou, le service de pédiatrie, le SC Nantes pour le CHU de Nantes, et également pour les enfants donc, souffrant de cancer, le centre hospitalier de Lorient également, ainsi que le centre hospitalier de Vannes. Donc, merci d'être venu. Et puis, outre ces quatre maladies, il y a également donc, l'association locale PAPLO, que vous connaissez bien, j'imagine, qui apporte des soins très précieux pour les gens atteints qui souffrent de cancer sur la région Pleurmène et Troyes-Moreau. Et deux nouvelles causes également que l'on va défendre. À savoir une maladie orpheline avec le petit marin qui a 3 ans, qui se trouve ici, et dont je vais donner le micro à son papa Arnaud pour qu'il vous explique concrètement en quoi consiste la maladie des marins. Donc Arnaud, si tu peux expliquer un petit peu au public en quoi consiste cette maladie. Bien, bonjour à tous. D'abord, je vais commencer par remercier Daniel et tout de l'association Rock Loisirs, qui nous aide depuis maintenant 2 ans dans le quotidien et dans le suivi de Marin. Donc Marin, c'est un petit garçon qui a 3 ans, qui est né avec un sinus dermique, donc un petit trou au niveau du cou. Et du coup, il y a des soucis de motricité. Pour l'instant, il ne marche pas encore. On fait beaucoup de stages intensifs, de kiné, d'ergo, de psychomotricité, pour aider justement Marin dans son quotidien. Et tout ça, c'est aider un quotidien qui coûte relativement cher et tout n'est pas remboursé. D'où l'aide de Daniel et de l'association Rock Loisirs. Et en plus de ça, il a un petit rein dilaté, donc on doit sonder 5 fois par jour. Donc plusieurs suivis médicaux au quotidien, hebdomadaires, mais voilà, on est bien accompagnés. Encore une fois, merci Daniel et merci à Rock Loisirs. Merci à vous. On peut applaudir les parents parce que c'est un investissement au quotidien, 24h sur 24, ainsi que tous les membres de la famille que je vois autour de Arnaud et Amélie. Donc, merci à vous également. Donc, sachez que tous les bénéfices de cet après-midi unitaire iront à toutes ces causes. Et une autre cause également, donc, c'est la maladie de Tessa est là-bas. Je vais demander aux parents de Tessa de venir. Est-ce que c'est possible que vous veniez? Bonjour. En attendant, Paul, tu vas dire un petit mot donc, sur cet après-midi humanitaire, parce que tu es toujours présent également pour nous soutenir moralement parmi ces différentes courses que l'on défend chaque année. Le milieu sportif donc, apporte sa présence et sa générosité. Également, il n'y a pas de frontière entre le sport et la maladie. Et donc, ta présence également permet de valoriser tout ça. Donc, merci encore, Paul, de ta présence. Alors, moi, je veux vous remercier, vous, parce que c'est vous qui faites toute l'organisation, c'est vous qui allez chercher des équipes de foot, c'est vous qui, finalement, rassemblez de l'argent pour tout simplement qu'elles servent, alors à la fois aux malades, et bien sûr aussi à la recherche globalement. Alors, c'est vrai que la médecine a fait des progrès énormes durant les 30 dernières années sur les cancers, sur les AVC, sur un certain nombre de maladies orphelines aussi. Mais c'est vrai aussi qu'on a encore beaucoup, beaucoup de choses à découvrir. Donc même si on progresse, c'est bien, on progresse lentement.
et on progresse pour la devient finalement de la solidarité de tout le monde, tout simplement pour pouvoir soutenir quelquefois les parents, parce que avoir un enfant handicapé, ben, c'est pas toujours facile, et puis ça demande un investissement, alors les parents sont souvent admirables, et puis comme tu le dis, effectivement il y a les moyens financiers, même s'il y a des choses qui sont remboursées, souvent elles ne sont pas remboursées à la hauteur de la somme qu'il faut débourser, et quelquefois, enfin, je voyais par exemple sur les fauteuils roulants pour handicapés, bon, il y en a, c'est le remboursement de la sécu, ça, c'est très très loin de remplir, hein, si vous voulez, ce qu'on débourse pour un certain nombre de fauteuils. Ça, pour vous donner un ordre de grandeur, certains fauteuils, c'est 8000 euros. Alors évidemment, c'est pratique parce que ça permet aux gens qui, de pouvoir se déplacer, etc. Mais on voit bien qu'on a besoin d'argent. Et donc, ces associations qui sont comme les vôtres, bien font un travail énorme. Et donc, moi, je tenais à te remercier, toi et ton équipe, parce que ça fait longtemps que je vous suis. Et donc, avec détermination, vous allez jusqu'au bout. Et bravo, vraiment, c'est une belle image de solidarité. Merci à vous. Merci, Paul, notre député. Et je vais demander à Tessa et à ses parents de venir également. Donc, Tessa a 6 ans et demi. Et puis je crois que c'est la maman qui va parler de la maladie un petit peu de Tessa. Bonjour à tous. Alors le syndrome de Rett dont souffre Tessa est une maladie génétique qui touche principalement les filles. C'est une maladie qu'on ne détecte pas forcément à la naissance, mais plutôt aux alentours de 18-24 mois, qui peut leur apporter vraiment un polyhandicap, c'est-à-dire de l'autisme, des difficultés dans la marche, pour ne pas marcher du tout, ne pas s'asseoir, pour beaucoup de petits filles, c'est aussi des problèmes cardio-respiratoires, également des crises d'épilepsie. C'est une maladie en fait qui peut toucher vraiment tout l'ensemble du corps et malheureusement également du cerveau. Qui touche quand même 15 000 petites filles en France par an. Voilà, dans les grandes lignes de la maladie. En tout cas, Tessa, pour nous, elle marche, même si elle a des difficultés de concentration et à rester, rester en place. Elle ne communique pas et elle n'a pas d'autonomie. Je remercie l'association. Hervé, c'est bien, le commentaire personnel. Hervé, tu peux venir te dire quelques mots sur la maladie et puis... Et puis la défense des enfants malades notamment. Donc Arsevan, donc historique compté en top 14. Hein, donc c'est super. Hein. Voilà. Donc je suis très Mathieu vient également, l'entraîneur également. Voilà. Donc Hervé, je te donne la parole pour quelques mots au niveau des enfants malades, pour toi que tu nous aides. Bonjour à tout le monde. Malheureusement, je ne suis pas un spécialiste de maladie, je ne suis pas médecin, je ne suis pas géologue. Par contre, pour moi, tu es un mec qui est admirable parce que tu défensais tout depuis très longtemps. Et on va être un maillot du RCV, c'est ce que tu vas ici. Et puis, je suis sûr que les enfants, c'est terrible. Merci Hervé, et puis Mathieu, tu veux quelques petits mots pour soutenir l'enfant malade? Bonjour tout le monde, mais j'ai toujours le plaisir d'apporter un peu de chaleur et de réconfort aux enfants malades, mais aussi aux parents et à l'entourage. Donc, voilà, c'est avec plaisir que j'ai la démarche aujourd'hui d'apporter un petit peu de réconfort et de la bienveillance. Merci également, donc le lien entre football et rugby. Vous voyez, il n'y a pas de frontières, on s'aide une autre, et c'est avec plaisir. Merci de votre présence encore. Et vous donnerez plus nombreux tout à l'heure aussi avec les autres. Jérôme également, Pascal Jiquel. Pascal, est-ce que tu peux venir? Donc Jérôme, donc représentant du Crédit Mutuel de Bretagne, sur l'agence du groupe de Paris. Pourquoi la présence ici, qui est régulière maintenant, pourquoi tu as des enfants? Alors Daniel, pour te remercier, un grand merci à toi et à l'association. Et le Crédit Mutuel de Bretagne et le pays de l'Est Morbihan en général. On a le soutien des associations dont on va grâce à un dispositif qui s'appelle les solidarités mutuelles de Bretagne.
Et ce dispositif permet donc de mutualiser les manières, au sein de différentes agences pour pouvoir venir en aide à des associations à but notamment d'aide aux enfants malades. Voilà, donc je remercie également puisque j'ai vu au moins une administratrice de Bretagne présente cet après-midi. Sur la moitié, vous êtes le du CMB, il va donc pouvoir aider l'association. Et un peu de félicitations pour ce que tu as au quotidien, est-ce que l'association peut continuer à venir. Merci à tout à l'heure. Pascal, donc représentant du Crédit Agricole. Je crois qu'il y a Jean-Marc qui est là, également Jean-Marc Flon, si tu nous entends. Et Eric, je ne sais pas s'il est là. Et Laurence et toute l'équipe également de Pamplon. Donc, merci, c'est la première fois que tu viens, Pascal, ici, donc directeur de l'agence Crédit Agricole 2003. Pourquoi ce soutien aux enfants? Alors, on est très heureux de venir, pas doublement en fait, Daniel, parce que l'association Route Loisirs représente les fortes valeurs qui portent de l'école, la solidarité, la solidarité, et sur les valeurs qui portent au quotidien, ils portent ça nous tient absolument à cœur, c'est vraiment la première raison. Et puis la deuxième raison qui me tient à cœur aujourd'hui, c'est que j'ai la chance de connaître les parents de Tessa. Ça me fait plaisir de pouvoir accompagner et aider les parents et les enfants atteints de maladies. Merci Pascal, et bien tout à l'heure pour le projet de loi. Je vais demander à l'instant à Laurence Cagliot et toute l'équipe de Matelot de bien vouloir venir parce que vous savez, cet après-midi également, nous défendons donc les cours de Matelot qui font absolument un travail formidable sur la région Formel-Maille-Trois. Et donc chaque année, nous tenons à comment soutenir. Et en plus, c'est une question de cœur parce que donc, Patrick était un fervent supporter du FC Nantes. Le FC Nantes étant fidèle participateur de l'association du football, donc on ne peut que défendre. Voilà, donc je passe la parole à Laurence Intervient. Bonjour à tous, je vais faire que renforcer celle de Daniel. Bien évidemment, dans un premier temps, je vous remercie pour ce que vous faites. Historiquement, sachez que quand Daniel est venu, vous pouvez organiser ce fameux tournoi. La condition, c'était de faire venir le FC Nantes, parce qu'il était un fervent supporter du FC Nantes. Daniel a toujours fait en sorte de compétences essentielles, donc je suis contente et ravie d'être là. Je suis encore plus contente. Dans l'association PACLO, j'ai quatre membres éminents, Bernadette, Marine et surtout Patricia, qui étaient avec moi à l'origine de l'association et qui, elle, va défendre Rennes. Donc c'est Rennes contre Nantes. Mais ça va être la grande compétition entre nous. Lequel va gagner, on n'en sait rien, mais on va continuer à avancer ensemble. Pour l'association PACLO qui soutient et épaule les gens atteints d'un cancer au niveau de pays de PRL. Est-ce qu'il faut vous en dire plus? Je vais juste dire à Patrick, donner la parole à Patricia qui va vous donner le nombre de soins effectués. Elle va vous donner quelques chiffres parce que cette association est créée depuis 10 ans et elle prend de plus en plus d'envergure et on est très bien soutenu grâce aux autres associations locales. Notamment, merci à vous d'être là. Oui, alors, PACLO existe maintenant depuis une douzaine d'années. C'est vrai que plus ça va, plus on est connu, donc plus on a de patients qui s'adressent à nous. L'année dernière, on a financé plus de 1500 soins et cette année, on va largement les dépasser. Ce sont des soins individuels ou avec une dizaine de personnes avec lesquelles on travaille. Donc, ce sont des personnes, on n'a pas du tout de bénévoles, moi, qui est là, une personne en plus. Pour les soins, ce sont des gens qui sont diplômés, qui sont installés, qui sont reconnus.
et qui voit les gens, les personnes en individu. On a aussi des ateliers de groupe, et notamment un atelier de bien-être avec une esthéticienne et une prothésiste capillaire dont Bernadette est responsable. Et là, ce sont un ou deux ateliers par mois. Et on a un grand, on donne un grand coup de pouce sur le sport, puisque l'on a le Qigong qui existe déjà chez nous depuis 7 ans. On a de la natation avec une vingtaine de personnes. Et puis cette année, on va aussi avoir du coaching, de la gymnastique. Si vous voulez vérifier et surveiller un petit peu ce que l'on fait, n'hésitez pas à aller voir notre site, patelot56.fr, et là vous aurez toutes les informations. Et on peut applaudir l'excellent travail au quotidien de l'association Patelot sur la région Clermont-Malétroit. Je vous aimais. Je vais intervenir devant Didier Larose, aussi Didier, qui vient de Rennes également et qui a. Patricia, Laurence, tu restes dans le coin, là, donc tu l'envoies tout à l'heure. Laurence, tu restes dans le coin, tu l'envoies tout à l'heure. Et donc, Didier, donc, tu as un stand, là, et en une minute trente, peux-tu nous expliquer en quoi consiste, ta cause et ton but? Bonjour à toutes et à tous. Moi, je suis Didier Larose, je suis président de l'association Mavé Tavane, et on fait de la sensibilisation et du recrutement pour le don moelle osseuse. Donc, aujourd'hui, en France, il y a 2500 malades qui sont en attente de greffe de moelle osseuse. Et le seul espoir de guérison qu'ils ont, c'est une greffe. Et la probabilité d'être compatible avec un malade, c'est 1 chance sur 1 million. Donc aujourd'hui, nous, on essaie de recruter un maximum de personnes, surtout les jeunes, les 18-35 ans, sur le registre national, pour permettre justement aux malades de bénéficier d'une greffe. Donc la compatibilité, c'est 1 chance sur 1 million. Il y a à peine 400 000 personnes inscrites en France. Il y en a 9 millions et demi en Allemagne, 3 millions en Angleterre. Donc nous, on est un petit peu à la ramasse. Et c'est pour ça que nous, on essaye, avec l'association, d'organiser des événements tous les ans. Cette année, on en a organisé un le 27 avril à Rennes. Malheureusement, on a été victime de la météo. Donc moi, aujourd'hui, je remercie en loisir de m'accueillir ici pour justement parler de cette cause. Merci. Donc tu peux dire que tu as un stand là tout à côté. Vous pourrez passer voir Didier, il vous renseignera, il vous donnera des rendez-vous concernant son action. Merci Didier, merci à toi. Et maintenant, donc, Jean-Marc Soulon, c'est le premier école, et c'est aussi double casquette aujourd'hui, car vous devez connaître son fils Dorian, qui se prépare pour les Jeux Olympiques dans quelques jours. Il est déjà champion du monde sur piste, donc plusieurs fois, et il est champion olympique depuis l'année 2021. Il se prépare donc pour défendre son titre en 2024. Et je crois, Jean-Marc, que tu as un stand, là, mais si tu peux expliquer vraiment qu'est-ce que tu vas faire en tribune. Oui, ben, bonjour Daniel, bonjour à tous. Donc effectivement, les Jeux sont pas finis, hein. Il y a les Jeux paralympiques qui démarrent le 28 août. Donc j'espère qu'il y aura le même engouement qu'il y aura pour les Jeux paralympiques. Je vous invite à tous et toutes regarder parce que vous verrez des choses incroyables se produire à cette occasion des Jeux paralympiques. Et nous, on a pris l'initiative, on a été sollicité pour faire des t-shirts par nos amis, par notre entourage. Et du coup, on s'est dit, on a été vers Daniel et puis on lui a proposé de faire une initiative. Et comme Daniel est toujours partant et toujours présent, on a donc mis en place des t-shirts pour le prix de 15 euros. Et donc le bénéfice de la vente de ces t-shirts pour le Fat Club de Dorian. Donc on sera à peu près 200 à 300 personnes le jour du 31 prochain au Vélodrome National. Et donc je vous invite, si vous voulez participer, à 15 euros le t-shirt. Et donc les bénéfices seront intégralement reversés pour les enfants handicapés de la commune du Val-d'Oust. Voilà l'initiative que l'on a prise. Et encore merci Daniel d'avoir répondu à cette initiative. Et bon après-midi à tous, de sport. Merci Jean-Marc, et donc à vous l'entendre, salut. Vous allez passer devant le stand et vous ferez une bonne action également. Donc très loin, il y a également les ramasseurs de bois. On peut également les applaudir très fort parce que c'est vraiment une super. C'est une solidarité énorme qui soit là en présence de vos pensionnaires au milieu du pays. Donc merci les jeunes et on est très reconnaissants de votre présence. Et vous allez pouvoir faire des photos souvenirs tout à l'heure qui vont être extra.
à la fin du match et au début du match quand les équipes vont se positionner. Merci à vous tout à l'heure. Julien Rulon de AXA. Julien, tu es là, d'accord. Donc merci Julien, donc nouveau partenaire, nous sommes heureux de t'accueillir aujourd'hui. Et puis alors pourquoi Julien, en défense des enfants malades et le soutien de la recherche médicale au niveau des enfants? Merci déjà, merci beaucoup d'énergie dépensée pour me solliciter. Aujourd'hui, on a le choix de soutenir effectivement différentes associations et la cause est forcément touchante et l'énergie qui est déployée pour essayer de récolter un maximum de fonds est surprenante et du coup, il y a forcément des causes qui nous touchent plus que d'autres et celle-ci en fait partie et je suis très fier aujourd'hui d'être nouveau partenaire. Et bravo à tout le monde pour l'organisation. Merci Julien et puis espérons que le partenaire continuera parce que malheureusement la recherche, une maladie orphelin, je ne sais pas si c'était arrivé tout à l'heure. Malheureusement, c'est sur le monde dernier. Il faut toujours des gens comme ça pour soutenir au quotidien. Merci encore, Julien. Alain Melon, donc je suis sur le côté médical, je vais dire quelques mots également pour la recherche médicale auprès des enfants. Je fais plusieurs chaque année, donc c'est bien de parler. Et bonjour. Moi, je voudrais surtout vous parler de Daniel Lucas, un des partenaires, on va dire, parce qu'on travaillait tout à l'heure. Je voudrais le remercier pour tout le travail qu'il a effectué depuis de nombreuses années pour le canton malade. Franchement, je pense qu'on veut l'applaudir. Merci. Merci pour lui, merci pour vous qui permettez de. Merci Alain, beaucoup. Et je suis également à niveau du programme. À vous, Parra, voilà, nous sommes aussi des fidèles des maladies rares. Nous avons une fondation. On soutient beaucoup la situation pour la mucoviscidose, mais aussi beaucoup de maladies rares. Il faut savoir qu'en France, il y a environ 7000 maladies rares et c'est environ 3 millions de personnes qui sont concernées. Donc, je comprends que tous les partenaires d'aujourd'hui soutiennent les maladies rares parce qu'il y a vraiment un gros travail. C'est un travail pour la recherche, mais également pour aider les malades et les aidants, parce que tout ça, c'est un gros travail. On l'a vu avec les deux enfants qui ont été présentés tout à l'heure. C'est très lourd pour la famille. Et donc, quand on peut aider, c'est toujours un plus. Et à Groupama, on a cette volonté d'aider les parents, les enfants, la recherche pour que ça évolue. Il faut savoir que pour découvrir une maladie rare, il faut à peu près 4 années. Donc ça ne se fait pas comme ça du jour au lendemain. C'est toujours des cas particuliers et les cas particuliers, c'est toujours un peu plus long et également pour les traitements. Donc je remercie bien sûr Daniel et toute son équipe pour l'organisation de ces rencontres. Je crois que c'est la 20e. Eh bien, tout l'argent qui a été apporté, maintenant, je veux dire, ça contribue à aider la recherche et le management. Merci Daniel et merci à vous. Bien. Merci.